aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une sauce au citron qui accompagne très bien le poisson, par exemple, et qui a vraiment du goût de citron et en plus très légère. Vous allez voir ça. Pour ça, je vais avoir besoin d'un petit peu de farine, un petit peu de beurre, une mandarine ou une orange va très bien, une pincée de sel, un petit peu d'aneth, du poivre du moulin et de jolis citrons. Je vais commencer par hacher l'aneth assez fin. Moi j'en mets assez parce que j'aime bien ça. Et il faut quand même que le goût ressorte. Hein. Et voilà. L'aneth hachée. Maintenant je vais presser mes deux citrons. Voilà, et ensuite ma clémentine. Je mets une clémentine pour adoucir quand même un tout petit peu, parce que vous pouvez prendre une orange ou une petite orange. Parce que si je mets que du citron, ça va quand même être un petit peu fort. Alors avec ma clémentine, ça va adoucir un petit peu ma sauce. Et voilà. Une fois que le beurre est fondu, je mets ma farine. Pas trop fort quand même. Une fois que ma farine a tiré, je vais gentiment commencer par mettre un tout petit peu de mon jus. Ça fait un peu une pâte et j'en rajoute ainsi jusqu'à ce que j'aie la consistance que je veux. Encore un petit peu. Voilà, la consistance me plaît bien. Si jamais vous n'avez pas assez de jus d'orange, de citron, là, vous voyez, c'est un tout petit peu trop épais, vous pouvez rajouter un petit peu d'eau. Moi, je mets juste une pincée de sel. Un petit peu de poivre du moulin. Je baisse le feu parce que ça va fort. Hein. Et après, dedans, je vais mettre l'aneth que j'ai haché tout à l'heure. Et voilà, il me reste plus qu'à goûter. Voir si ça a assez de goût. Pour moi, c'est parfait. Heureusement que j'ai mis une clémentine pour adoucir un peu, autrement ça serait trop fort.
Et voilà, ma sauce est prête. Il ne reste plus qu'à la servir. Je vais maintenant la verser dans une saucière. Et voilà, prête à être servie. Je vous souhaite plein de succès avec cette bonne sauce au citron. L'idéal pour du poisson. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bon appétit, au revoir.